Frère Msem, bonjour. Son plaisir pour nous faire ensemble avec vous matin qui c'est mercredi 26 avril. Pour nous faire ensemble étudier le son école sabbat. Nous invitons à baisser tête pour nous faire prier. Éternel Dieu, papa, nous qui n'en sommes là, merci pour grâce ou merci pour l'amour. Alors que Seigneur Dieu, nous prenons étudier parole ou, qu'on capable imprégner nous de cet esprit de manière à ce que nous capable comprendre et mettre en pratique tout ça qu'on voulait enseigner nous matin. Avec nous, dirigez-nous, nous ne pouvons pas dire, nous prions au nom de Jésus. Amen. Eh bien, le son a étudié pour jeudi, mercredi 26 avril, l'an, le titre, un aperçu du ciel, yon aperçu de ciel. Eh bien, le son a étudié pour ce maintenant, c'est cinquième leçon, qui est pour titre, la bonne nouvelle du jugement. Qui, Jean, le son a déroulé matin? Eh bien, dans Apocalypse 4, Jean, qui c'est auteur de Apocalypse, livre Apocalypse, hein? Eh bien, li voit yon porte qui ouvre dans le ciel là. Et li recevoir une invitation. Gen on voit qui dit comme ça, montez, m'bral fort ouais qui ça qui doit arriver par la suite. Ça c'est dans Apocalypse 4 verset 1, nous jouons ça. Eh bien Jésus li invite l'apôtre Jean pour garder à travers la porte ouverte. Et mais porte ça c'est la porte du sanctuaire céleste. OK? C'est là que li parle des sept éternels. De grand conflit entre le bien et le mal. Pas oublier que nous vivons un grand conflit depuis que le monde est monde, il y a un conflit entre le bien et le mal. Il y a un conflit entre Dieu et Satan, le diable. Eh bien, nous-mêmes, tous nous capables de garder à travers porte ouverte ça. Même Jean lui-même, à travers une vision, Jésus l'y invite pour être capable de voir tout ça qui a passé. Eh bien, je dis à nous témoins de questions de tout ça qui a fait dans le monde ça. De qui Jean et Bagayo a mal passé. Qui Jean que le mal lui-même lui a fait rage. Mais, si nous garder avec les yeux de l'esprit, si nous quittons bon Dieu, gardez-nous, nous capables de voir le paradis, nous capables de voir ça le royaume, ça le trône royaume, non. Même Jean lui-même lui t'a gardé dans Apocalypse 4. Eh bien, il invite nous lire Apocalypse 4 verset 2 et à 4. Et il dit nous comme ça qui ça nous est qui semblait avec scène jugement dans Daniel 7. Pas oublier que hier nous te voyons scène jugement dans Daniel 7 qui Jean ça t'a déroulé. Eh bien, il invite nous lire Apocalypse 4 verset 2 et 4. Pas oublier tout dans le son hier il te dit nous que Apocalypse ensemble avec livre Daniel, c'est deux livres une compléter l'autre. Eh bien, en nous lit dans Apocalypse 4, verset 2 et 4 pour nous, qui ça le dit? Qui ça le dit nous? Apocalypse 4, verset 2. Il dit comme ça, aussitôt, je fus ravi en esprit et voici, il y a un trône dans le ciel et sur ce trône, quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jasmin et de sardoine et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Nous lit verset 2 et 3, verset 4. Autour du trône, je vis 24 trônes, et sur ces trônes, 24 vieillards, assis revêtus de vêtements blancs, et sur leur tête, des couronnes d'or. Eh bien, manifestement, ça nous saute là, c'est une scène qui a fait dans salle trône. Pas oublier que dans tout et palais, et dans tout palais, gagner ça relais, une grande salle commune, dans tout château, une grande salle commune. Mais salle commune ça c'est ça les salles trône c'est la donne qui connaît gros festin c'est la donne et yo recevoir les invités et bien c'est de même dans ciel là tout gon salle du trône et bien dans salle du trône là selon texte nous sorti là nous Dieu le Père lui-même li assis sous trône là et bien li entouré d'êtres célestes chargé d'êtres célestes qui entouré et yo dit nous comme ça gain tonnerre et des éclairs qui a sorti et bien tonnerre ça avec éclair ça qui a tap sorti sous trône. Je dis nous comme ça aussi symboliser les jugements de Dieu. Nous remarquons également dans Apocalypse 4 verset 4 que gen 24 vieillards qui présents autour du trône de Dieu. Qui est 24 vieillards ça oui? Dans ancien Israël là, tu gagné 24 divisions dans sacerdoce lévitique là. Sacerdoce lévitique là pas oublier que les lévites c'est eux-mêmes qui t'ont fait travail temple. C'est eux-mêmes qui t'ont servi de sacrificateur. Eh bien t'as gagné 24 divisions dans équipe lévite. Eh bien prêtre ça représentait le
prêtre ça a été représenté peuple là devant mon Dieu. Eh bien dans 1 Pierre 2 verset 9, apôtre l'a déclaré que croyant Nouveau Testament yo, c'est une race élue. 1 Pierre 2 verset 9, qu'est-ce qu'il dit nous? Nous sommes race élue, nous sommes sacerdoce royal. Ça le dit que et 24 vieillards ça yo, yo capable des individus, capable des monde qui représentent les rachetés qui un jour capable réjouir autour du trône de Dieu. Amen. Belle bagaille. Eh bien, on dit nous, si nous t'aimer kon identité 24 vieillards ça que cité dans Apocalypse 4 verset 4, yo capable représenter probablement et monde qui t'est ressuscité avec Christ qui t'est monté dans le ciel. Selon Matthieu 27 verset 52 et Éphésiens 4 verset 7 et 8. Ou capable lire deux textes pour capable gagner détail. Pas oublier que les Jésus lui-même était ressuscité. Je dis nous grand pile monde qui t'est ressuscité, qui t'est gagné les tombes, qui t'est dans les tombeaux avoisinants, qui t'est ressuscité, qui t'est monté dans le ciel avec lui. Eh bien, n'importe gens s'attaillé, c'est une bonne nouvelle parce que gagne quelqu'un dans racheté yo qui trouvé autour du trône de Dieu. En fait, yo te fait face à tentation même j'ai avec nous-mêmes aujourd'hui. Par la grâce de Christ, yo te et par la puissance du Saint-Esprit, yo t'es arrivé vaincu, yo t'es arrivé gagnant. Eh ben, yo revêtu de robe blanche qui signifie que ça la justice du Christ qui couvrit et qui purifie yo de péché yo. Yo gon couronne d'or sous tête yo qui signifie victoire, qui signifie que victorieux dans combat contre le mal. Et bien tout couronne ça, couronne d'or ça, il veut dire que fait partie d'une lignée royale de croyants remplis de foi. Et bien nous wet que gen un trône qui placé dans celle-là. Côté que bon Dieu chita, côté que des êtres célestes qui entourent trône là. Et bientôt ciel là tout entier commence à chanter. Hein? Tout ciel là tout entier commence à chanter et puis voyons à monter plus fort. Qui ça y a chanté? Apocalypse 4 verset 11. Tu es digne notre Seigneur et notre Dieu de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. C'est belle chanson, c'est chanson que tout le monde autour de toi n'a chanté. Ou digne, Seigneur Dieu, pour recevoir la gloire, l'honneur, puissance, parce qu'on crée toute bagaille, parce que c'est par la volonté que bagaille ça a existé, que toute bagaille créée. Amen. Apocalypse 4, verset 11. Frère, monsieur, ça sont description de une scène qui a passé dans le ciel là. Son aperçu de une belle scène dans le ciel là. Combien belle bagaille que nous pral vivre. Combien belle bagaille nous gagne pour nous vivre. Est-ce qu'on croit que Jésus a pour retourner? Est-ce qu'on croit réellement que le ciel existe? L'heure est au réfléchi. Est-ce qu'on peut poser cette question? Est-ce qu'on croit? Est-ce qu'on croit que bagaille ça en réalité? Eh bien, les plus que jamais, moment pour quoi? Moment pour capable commencer à visionner bagaille ça. Lio pour capable faire sens dans la vie. Lio pour capable et rester dans l'esprit ou, parce que c'est comme ça que on capable gagner espérance vivant du retour de Jésus. Merci parce que tu es avec nous, nous invite au baisser tête pour nous capable prier. Éternel Dieu, merci parce que décrit dans Apocalypse 4, nous trouvons Seigneur Dieu une belle scène. Merci Seigneur Dieu, même Jean te permettre avec l'apôtre Jean, il capable ouais par la foi dans une vision scène ça Seigneur. Eh bien, Seigneur Dieu, je dis à ou destiné, Seigneur Dieu, faire nous ciel là tout, pendant que nous pouvons sauver. Ou destiné à travers des visions pour qu'à faire nous ciel, faire nous ciel là, Seigneur. Retirez péché la caille nous, Seigneur. Ben, nous en bonne disposition pour nous capables. Mais Seigneur Dieu, nous connaît ça qui est plus important, c'est ou face à face, Seigneur. Avec nous, dirigez-nous, ne pas bon, pas dire, nous prions comme ça au nom de Jésus. Amen. Merci encore une fois parce que vous toujours étudiez avec nous chaque jour. Partagez le son ça avec l'autre monde. Pour lui-même, tout pour capable toucher de message ça. Que bon Dieu bénisse.